Du siècle, parce que là, bon, gagner une course comme ça parmi des voitures de très grosses cylindrées, très puissantes, ça arrive pas souvent. Et, bon, disons que ça s'est vraiment bien passé, j'avais tout dans l'ordre. Comme la piste s'asséchait, les autres, j'étais 9e, il y en avait 7 devant qui avaient des pneus slick, en pensant que ça allait s'assécher évidemment. Et puis bon, bah, moi j'ai opté pour le pari de laisser les pneus pluie. Et puis bon, bah, effectivement, ça s'est plutôt assez bien passé parce qu'au bout de 2 tours, il s'est mis à pleuvoir. Et là, bon, bah, je me suis un peu régalé à rattraper les gros skis d'habitude. Me laisse largement derrière. Et voilà. Premier du classement général pour l'instant. Si ça veut rigoler cet après-midi, bon, ça sera bon jusqu'à Croix-en-Ternois, pas encore au moins un mois de sursis. Par contre, à Croix-en-Ternois, j'aime bien, là, ça correspond un petit peu mieux aux caractéristiques de la voiture. Mais bon, là-bas, j'ai toujours plus ou moins de la chance. C'est à suivre.